C'est l'heure des infos sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette grande édition d'informations dont voici les titres. Comment trouver une solution de sortie de crise à la grève des huissiers de justice en Guinée? La question était au centre d'une rencontre ce jeudi entre les grévistes et le ministère de la Justice. Les clauses de cette rencontre, c'est dans cette édition d'informations. Le chômage touche de plein fouet la jeunesse en Guinée. Ils sont nombreux ces jeunes diplômés qui préfèrent exercer d'autres activités régénératrice de revenus pour subvenir à leurs besoins. Professeur Lamine Diabaté, un enseignant guinéen qui a contribué à la formation de l'actuel président français Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il nous raconte son histoire à suivre dans ce journal. Ce 28 avril, les huissiers en grève en compagnie de plusieurs autres représentants étaient en concertation avec le ministre de la Justice. Objectif, trouver une solution de sortie des crises liées à la grève qu'observent ces derniers. Ce jeudi 29 avril, le secrétaire général des huissiers de Guinée est revenu sur les clauses de cette rencontre, Alpha Omar Diallo. À travers un communiqué ce mercredi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a invité les avocats et les huissiers en grève et autres parties concernées à reprendre les activités dans les cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire national. Pourtant, la plaie reste toujours ouverte. La Chambre a décidé de ne pas discuter du fond ou de la forme du communiqué. Nous avons pris une décision. La décision, c'est de se retrouver le lundi. Parce que il est quand même clair que le problème est encore là. Même si on dit de reprendre aujourd'hui, le problème est encore là. La porte reste toujours fermée. C'est toujours fermé à Kadena. Donc comment nous, huissiers de justice, pouvons avoir accès à cette porte tant qu'elle n'est pas ouverte? Et pour pouvoir l'ouvrir, le débat se pose sur la suppression de la réquisition. Parlant d'une éventuelle reprise des activités dans les cours et tribunaux, notre interlocuteur pense qu'il faut une étude préalable avant une quelconque reprise. Nous pensons qu'il est mieux de prendre le temps d'examiner ces points-là au lieu de se rendre à faire ce constat. Parce que ce sont ces points-là, lorsqu'ils seront débattus et qu'une concertation aura lieu là-dessus pour trouver des solutions, que franchement, tout le peuple de Guinée peut se sentir soulagé que les exécutions maintenant vont reprendre comme d'habitude. La suspension des activités continue parce que le problème n'est pas levé. Le problème ne se situe pas simplement à ce que les cours et tribunaux reprennent. Mais c'est de chercher à trouver des solutions pour ne pas que, après demain, on se retrouve encore en débrouillage. En attendant une nouvelle rencontre, les huissiers de justice maintiennent leur mot d'ordre de grève. Une grève qui, depuis près de 2 semaines, continue à paralyser les activités dans les cours et tribunaux du pays et pénalise ainsi les détenus. Professeur Lamine Diabaté, un enseignant guinéen qui a contribué à la formation de l'actuel président français Emmanuel Macron au Collège d'excellence de Chèvres de 1988 à 1989. Aujourd'hui à la retraite, ce professeur d'histoire et de géographie vit dans la commune urbaine de Kindia. Très loin de son ancien élève, il est agriculteur à la fois et conseiller de l'actuel préfet de la ville des Agrumes, François Touré. Il raconte son histoire dans cet élément de reportage signé Abdoulaye Nkoyasila. Voilà, je suis à Nessar-Farouge ici, parce qu'il faisait un peu, il faisait froid. Hein. Il y a la dame professeure de la classe, responsable de la classe, madame Greffé. Et également les jeunes. Et aujourd'hui, il fait la fierté de toute une nation. Ces propos, professeur Lamine Diabaté, rencontré dans son bureau de conseiller du préfet de Kindia, les tient avec les larmes aux yeux. Fruit de l'école guinéenne, notamment la très réputée de Dabadou à Kankan, il a enseigné d'abord dans les préfectures de Fria et Bofa avant d'être muté dans sa ville natale, Kindia, où il a enseigné au lycée Bambam. C'est en 1967-68. Étant directeur d'une école de formation continue à Kindia, qu'il a bénéficié d'une bourse de formation pour la France. J'ai bénéficié d'une bourse de formation pour la France, au CIEP, communément appelé Centre international d'études pédagogiques de Sèvres.
en banlieue parisienne. Le Centre international d'études pédagogiques de Sièvre reçoit les stagiaires de plusieurs nations. Les stagiaires du CEP allaient en salle de responsabilité dans certains établissements du primaire et également du secondaire. La photo que vous voyez comme ça, c'est la photo des jeunes élèves admis en sixième année dans un collège d'excellence. C'est parmi ces jeunes gens que vous voyez celui qui gère présentement la destinée de la France. Sur cette photo prise au mois de mars 1989, on voit professeur Lamine Diabaté en écharpe rouge et à ses côtés le jeune Emmanuel Macron, président français. La photo est venue à Kindia en 2017 par le biais d'un Français. La photo elle-même, je l'ai reçue par le biais d'un jeune Français stagiaire qui est venu à Kindia. Et comme on lui a donné la photo, il s'est dirigé directement à la DP de Kindia. C'est là qu'il a déposé cette photo. Aussitôt, moi aussi, j'ai retrouvé ma physionomie. Ça fait au moins 5 ans de cela. Aujourd'hui, il se dit fier d'avoir participé à la formation du président français et toute cette promotion, ainsi que plusieurs autres cadres qui évoluent dans la fonction publique guinéenne. Il demande à Macron et à tous ceux qui se tiennent sur cette image d'aider la Guinée et l'Afrique. Ça n'a aucun caractère lucratif pour M. Diabaté, qui se contente de ce qu'il a eu. Parce que l'homme est la victime d'une condamnation mystérieuse dont il ne saura jamais les motifs. Diabaté, Lamine, a été moulé pour restituer à sa nation ce qu'il a appris. Et je pense que ce n'est pas Macron seulement qui est là, mais beaucoup, tant d'autres parmi eux, sont de grandes personnalités de leur pays. S'ils sont en mesure d'assister non seulement la Guinée, mais l'ensemble de tous les continents. Professeur Lamine Diabaté est aussi un sportif. Il fut l'un des premiers joueurs de l'équipe nationale guinéenne. Il est connu sous le sobriquet Diabaté Lamine, dit Bra. J'ai joué dans le canon de Kindia. On nous appelait dans le temps les canonniers du Mont Ganga. Première coupe PDG de Guinée, je l'ai joué avec Maître Nabi, qui est l'actuel président du comité olympique de Guinée. Maître Nabi, je précise bien, Maître Nabi, qui est l'actuel président du comité olympique de Guinée. Nous avons fait 2 matchs, Kindia à Conakry. Le second match s'est soldé par la victoire de Conakry. Et c'est de là maintenant qu'il y a eu la fusion des 2 équipes pour constituer le premier noyau de la sélection nationale de Guinée. Moi, j'en faisais partie parce que quand ils ont pris quelques éléments de Kindia, plus les autres de Conakry, ceux-ci sont partis en Hongrie. Ceux qui sont restés en Guinée constituaient maintenant la 2e sélection qui pouvait faire des marches, jouer des marches contre le Libéria même, contre les Yougoslaves. J'ai joué ces matchs-là avec les faux défenseurs. Du haut de ses 74 ans, professeur Lamine Diabaté, qui se tient encore debout sans aucun problème de vue, est marié à 2 femmes et père de 4 enfants. Sa fierté aujourd'hui, rappelle-t-il, c'est de terminer sa vie en bonne santé. Vous savez, la vie ne se tient qu'à un fil trop mince. Ma fierté aujourd'hui, c'est avoir terminé ma vie en bonne santé. Présentement, je suis le conseiller de monsieur le préfet de Kindia. Le préfet de Kindia m'a choisi comme conseiller parce qu'il m'a accordé respect et considération. Mieux était cela, Lamine Diabaté n'est qu'un reconverti en paysan. Titulaire de plus de 30 attestations de formation dans l'enseignement, ce fonctionnaire à la retraite dont l'histoire est plus qu'attrayante est aussi un agriculteur. Après son service à la préfecture de Kindia, il part gérer sa plantation dans la carte dans la localité de Baréofori, située dans la sous-préfecture de Damakania.
Et puis, on parle de ces jeunes qui brillent dans le chômage. Il faut dire que le chômage touche au plein fouet la jeunesse. Ils sont nombreux, ces jeunes diplômés, qui préfèrent exercer d'autres activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Nos reporters Bintou Souma et Ibrahim Paye Camara ont rencontré ces jeunes et un directeur des ressources humaines. Suivez le reportage. Le chômage, un phénomène qui frappe de plein fouet la population, en particulier les jeunes. Les diplômés des universités sont les plus touchés. C'est le cas de ces jeunes qui exercent d'autres métiers, même avec leur diplôme universitaire en poche. Les taxis moto là, moi je ne prends pas ça comme un métier quoi. C'est un moyen pour avoir un départ quoi. Si toutefois n'a pas un soutien, un bon soutien. Il faut forcément passer par un autre moyen quoi. Parce qu'il n'y a pas de travail en Guinée, il faut qu'il prenne taxi moto. Ben, il y a beaucoup de travail en Guinée, mais travail paye bien, il n'y en a pas. Parce que quand il paye logement, ce n'est pas facile. Ils accusent les chefs d'entreprise et l'État qui, selon eux, emploient moins de jeunes. Une allégation que rejette ce responsable des ressources humaines d'une société de la place. Les sortants des universités, les sortants des écoles pour jeunes, de façon générale, ils ne savent même pas rédiger une demande d'emploi, ils ne savent même pas rédiger une lettre de motivation, ils ne savent même pas rédiger leur propre CV, ce qui est un problème réel. Et de l'autre côté, quand on dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait administration des affaires. Tout le monde fait administration des affaires ou relations internationales, ou sociologie, ou droit, ou histoire des relations internationales. Mais attendez. Quelqu'un qui fait histoire des relations internationales et qui tape à la porte d'une entreprise. Qu'est-ce qu'il peut faire dans une entreprise? Pour ne pas être à la merci de ses proches, Tamba Keita propose quelques solutions aux nouveaux diplômés. L'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Les entreprises privées ne peuvent pas aussi donner de l'emploi à tout le monde. Et donc, il faut qu'eux-mêmes s'organisent à créer leur propre emploi. Le diplôme, il faut qu'on se dise la vérité, n'est qu'une présomption de compétences. Selon certains observateurs, le manque de niveau et l'inadaptation de la formation supérieure au marché de l'emploi sont des causes du chômage en Guinée. La commercialisation des noix de coco à Conakry permet à beaucoup de jeunes de générer des revenus. Certains d'entre eux sont revenus sur cette activité. Mariam Kindibari et Mustapha Diané sont allés à la rencontre. Suivez. Le jus de noix de coco est très consommé à Conakry. Beaucoup de jeunes s'adonnent à la vente de ce fruit. Ce vendeur qui a fait plus de 11 ans dans ce commerce explique les difficultés rencontrées. Dans l'exercice de notre métier, nous rencontrons beaucoup de difficultés, telles que des serpents sur les cocotiers. Des fois même, nous glissons. Après la cueille de ces noix de coco, dans la vente aussi, le fait de le plucher avec le couteau, nous le blessons. Et des fois, on est même obligé de prendre des injections de tétanos. Mais son importance est qu'il soigne beaucoup de maladies. Pour certains citoyens, la noix de coco améliore leur santé. Ces consommateurs expliquent. Je fais des recherches, je suis végétarien en quelque sorte. Je ne mange pas les conserves et autres. L'eau de coco, elle est très riche. Déjà, elle participe beaucoup à l'équilibre du pH du corps humain. Ça, c'est un. J'ai fait des recherches approfondies là-dessus. Et je le prends surtout par rapport à ses vertus nutritives. Surtout, il aide beaucoup à la purification du sang, en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle je prends ça. Et j'en prends quotidiennement. Tous les jours, je prends au minimum un demi-litre. Moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Je suis grandi dans ça. C'est mon coutume. Normalement, j'ai vu mon père et ma mère manger ça, boire ça. C'est bon pour mon santé. C'est mon nourriture. C'est une nourriture africaine. Je travaille ici, Enisem Sidio. Chaque fois, je suis à Kipé. Chaque fois, si je passe ici, je paye 2 à 3 fois comme ça. Parce que c'est bon pour mon santé. C'est ça qui est autorisé, on mange. Parce que c'est notre nourriture. C'est tout. La noix de coco est très riche en fibres alimentaires. Sa consommation prévient la constipation. En interactualité, le président américain Joe Biden était devant le Congrès ce mercredi 28 avril 2021
objectif, présenter le premier discours de politique générale des États-Unis. L'occasion a été mise à profit pour revenir sur ses débuts de mandat politique de Washington sur la gestion exemplaire de la pandémie de COVID-19 et un retour avec force du pays de l'Oncle Sam sur le plan international. Commentaire, Yahya Omoubari. Ce mercredi 28 avril 2021, le président américain est apparu devant un public spécialement sélectionné pour son premier grand discours politique général devant le Congrès de Washington. Pour la première fois dans l'histoire, deux femmes ont pris place derrière lui. Il s'agit de Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre, et Kamala Harris, devenue en janvier première femme à accéder à la vice-présidence. Devant le Congrès de Washington, le président Biden a vanté les progrès extraordinaires réalisés aux États-Unis lors de ses 100 premiers jours de mandat face aux crises sanitaires et économiques. Je peux dire que l'Amérique repart de l'avant. Il y a 100 jours, la Maison-Blanche était en feu. Mais elle est prête à redécoller grâce au plan de sauvetage et de réformes adoptés depuis, a-t-il prononcé. Le 48e président des États-Unis, très théâtral, il a multiplié les témoignages d'Américains empreints d'espoir qu'il a rencontrés ou qui ont écrit. Parmi ses succès, le chef d'État a insisté sur celui logistique de la vaccination. Il rappelle qu'il y a eu davantage de personnes vaccinées que promis. Plus de 96 millions de personnes, soit près de 30% de la population, sont considérées comme totalement vaccinées. A rappelé que ce premier discours de bilan des 100 jours de Joe Biden s'est déroulé dans un respect absolu des mesures barrières afin d'éviter la propagation du COVID-19. Élément sport de ce journal, la candidature d'Aboubacar Touré au poste du président de la Fédération guinéenne de football a été annulée ce mercredi 28 avril 2021 par la commission électorale réunie en session plénière pour statuer sur ce dossier. Ce jeudi 29 avril, le candidat dessus s'est exprimé sur les démarches qu'il compte mener afin qu'il soit rétabli dans ses droits. C'est un reportage de Mohamed Salou Diallo et Alassane Souma. C'est à l'issue de la session plénière de ce mercredi 28 avril 2021 que la commission électorale de recours a rejeté la candidature d'Aboubacar Tri-Touré, ce à cause de la sanction contre le club qui a parrainé sa candidature à Association sportive de Kaloum par le tribunal arbitral du sport. Le candidat récalé dit être serein. C'est un candidat confiant et qu'on a accueilli cette décision. Et ce n'est point une surprise pour moi en tant que candidat et je m'attendais déjà à cette décision. Et c'est pour toutes ces raisons que dès ce matin, une plainte a été déposée au niveau de la secrétaire générale de la FIFA et au niveau de la CAF et sur les violations des statuts du code d'éthique et du code électoral de notre association par rapport à la commission électorale de recours. La bataille pour la tête de la FEGIFOOT est loin d'être terminé. Aboubacar Touré n'est pas prêt à se plier à la décision de la commission électorale de recours. Et il ne se limite pas à la FIFA. Il attaque la décision jusqu'au tribunal arbitral du sport. Et c'est ce que le droit nous autorise. Et sur le plan local, pratiquement tout est épuisé. Et le seul recours aujourd'hui, c'est au niveau du tribunal arbitral du sport. Et nous avons demandé une procédure accélérée pour que nous puissions être rétablis dans nos droits. Et certainement, dès que ce tribunal va recevoir notre recours, certainement d'ici 5 à 6 jours, ils donneront avis favorable à notre recours. Depuis l'annonce de l'annulation de la candidature d'Aboubacar Touré, pourtant qui se voyait élu par acclamation, vu qu'il était finalement l'unique candidat, reste à savoir quelle va être la suite de ce feuilleton. En tout cas, les regards sont tournés vers la FEGIFOOT. Fini ce journal qui a été réalisé par l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction de Star 21 TV. À tous, merci de l'avoir suivi. On se reprend sur la télé du 21e siècle pour d'autres informations. Au revoir.